Donc, le but aujourd'hui, c'est de faire le point sur la situation de l'usine Alma. Premièrement, comme vous le savez, les négociations ont été très difficiles. Et, en fait, dans les négociations, il y avait un écart très important dans les demandes des deux parties. Donc, ces écarts très importants-là se portaient sur deux grands enjeux, le plancher d'emploi et la sous-traitance. Malheureusement, on n'a pas pu en venir à une entente, et j'ai été mis devant le fait que la seule décision responsable que je pouvais prendre, donc la seule décision responsable à prendre, était de prendre en charge les opérations. Prendre en charge les opérations pour protéger un actif.